Salut, c'est Narcos. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va ouvrir enfin un coffret de l'extension Pokémon Go qui est sorti maintenant. Ça fait un petit peu de temps, je dirais 3 semaines facile. C'est un coffret que j'avais commandé justement sur ma dernière vidéo, les vacances en Corse. Je l'avais commandé quand j'étais en Corse. J'ai mis du temps à le recevoir. Franchement, ça a été compliqué. Bon, voilà, c'est un petit coffret que j'ai payé 24 € à la Fnac. Donc, il me tarde vraiment de l'ouvrir parce que cette extension a l'air vraiment, vraiment géniale. Merci de vous abonner et liker la vidéo si le contenu vous plaît. Voilà, ça récompense énormément mon travail. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je voulais remercier. On est 315 abonnés au moment où je tourne cette vidéo et c'est vraiment, vraiment génial. J'ai fait une poussée vraiment rapide. Je pense que c'est grâce aux petites vidéos shorts de YouTube. Comme d'habitude, dans la description, je vous mets mon lien Twitter, mon lien Instagram et mon lien Twitch. Voilà, si vous voulez me suivre sur les réseaux. Sans plus attendre, on est parti pour ce coffret de noix de coco. Et voilà, nous voici devant ce beau, beau, beau coffret noix de coco Pokémon Go. Franchement, les cartes, elles font autant rêver que sur Célébration. Bon, peut-être un peu moins parce qu'il n'y a pas des grosses, grosses cartes. Mais franchement, magnifique. Magnifique, on est parti, on ouvre ce petit coffret très sympa. Et on commence du coup par cette belle carte promotionnelle qui est le noix de coco d'Alola en V avec le petit logo Pokémon Go, très très sympa. Voilà, magnifique. La grosse carte et voilà les 4 boosters de Pokémon Go, j'espère vraiment choper du lourd. Ouais, ben voilà, le Dracaufeu radieux, hein, j'ai envie de dire, c'est la base. Après, les autres starters, Frozar, Tortank, pareil, ça serait bien. Il y a un Mewtwo alternatif qui a l'air pas mal. Et Léviator, je le trouve vraiment magnifique. C'est parti, le premier booster de cette extension Pokémon Go. Il me tarde d'avoir le reste. Il me tarde de pouvoir choper... Le TB et tout, ça va être sympa. Je sais pas au niveau des QR codes ce que ça donne, si c'est comme les dernières extensions ou pas, si jamais il y a un QR code noir, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je n'en sais rien. Allez, on commence avec un beau petit Salamèche. Ça veut dire qu'on va annoncer le Dracaufeu radieux, vous allez voir. Que Notor, sauf Kipou. Poichigiron, j'aime pas du tout l'illustration un peu 3D comme ça. Pareil, Magikarp, c'est beau Pokémon, mais c'est dommage qu'il y ait des illustrations 3D comme ça. Capitaine d'équipe blanche, Camerupt, Yimfect, j'adore. Voilà, Umbrillax, Yimfect et Tyranocif, magnifique. Bientôt Tyranocif dans Pokémon Unite, les gars. Et on frappe une Ratatak d'Alola en reverse et on finit avec. Un Nymphali, voilà, sympa, une petite holo. Alors peut-être ça correspond encore à l'histoire des QR codes noirs parce que c'est du holo. On va voir. En tout cas, très sympa. Peut-être choper Métamorphe, ça serait cool. Allez, on est sur le deuxième booster, les gars. Essaye de pas allumer le booster comme ça. Après, je peux le garder pour la collection. Encore un QR code noir, alors je sais pas, on va voir hein, si c'est une holo minimum ou pas. Allez, un petit Pikachu, fait plaisir. Mimigal, Ratata d'Alola, Kenotor qu'on a eu tout à l'heure et Salamèche également. Capitaine d'équipe Spark, pardon. Migalos, Stelix. Est-ce que là, en la reverse, on va avoir le radieux? Ça serait trop cool. Et non, c'est Capitaine Spark en reverse. Et une petite ultra rare, ça serait cool. Et c'est pas une ultra rare, c'est une Leuphorie en holo. Écoutez, c'est déjà pas mal. Autant il n'y a que des holos, moi je dis que c'est pas mal depuis tout à l'heure, mais autant il n'existe que des holos sur les rares. On va bien voir. Allez, c'est le troisième booster, les gars. Ils sont durs à ouvrir ces boosters. Et ils ne s'ouvrent pas correctement, vous voyez. C'est compliqué à garder. Bon, bien sûr, pour la collection, j'essaierai de garder un booster entier pour ma collection. Allez, celui-là, on le sent bien, les gars. On le sent bien. On invoque le petit Dracaufeu radieux. Umbrillex, on en parlait tout à l'heure. Chamallow. Bulbizarre, voilà, il fait plaisir.
Onyx, on dirait une illustration d'une autre extension, là je me rappelle plus laquelle. Castorno, qu'est-ce qu'il fout là lui? Juste devant, il y a rien. Incubateur d'œuf. Un reptincel, bah, il manque que le Dracaufeu les gars. On y croit, on y croit. Super bonbon. Allez la radieuse, la radieuse. Et oui, voilà. Let's go. Cette petite Floriza radieuse, magnifique. Incroyable. On dirait qu'elle est un peu abîmée là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'est un défaut ou pas. C'est une bêtise dessus. C'est bon, il n'y a rien. J'ai rien dit. On chope le Floriza radieux de l'extension Pokémon Go. Let's go. Ça, ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Et est-ce qu'on va finir sur quelque chose de sympa? On va finir sur du holo sûrement. Et la Pikachu holo, magnifique. Elle est vraiment sympa celle-là. Ça, c'est une des plus belles en holo, je trouve. Magnifique, la petite rare Pikachu, incroyable extension, franchement, ça, ça fait plaisir. Je vais sleeve tout ça directement après la vidéo, vous inquiétez pas, n'est-ce pas Jérémy? Oui, je sleeve les cartes, t'inquiète pas. Allez, c'est le dernier booster de cette extension-là, je sais pas ce qu'on aura après comme ouverture sur Pokémon Go, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Bon, que des cure codes noirs, je laisse... comprendre qu'il n'y a que des holos en dernière minimum. Allez. Capidextre, Ambrilex, pardon. Cap humain, je bug. Mimigal. Ratata d'Alola. Carte énergie. Solarock. Capitaine d'équipe Spark. Je vais y arriver. Ça fait trois fois qu'on l'a. Le Vénard, on l'avait pas. Meltan en reverse. Et est-ce qu'on va finir sur quelque chose de lourd? On n'aura pas d'ultra rare pour cette vidéo, mais une petite low class magnifique. Tout à l'heure, je disais que Pikachu, c'était une des plus belles. Non, la plus belle, c'est l'Eviator en holo. Elle est magnifique. Bon, franchement, cool. Franchement, très, très, très cool. On se retrouve pour le récap. Et voilà, les gars, c'est le petit récap. Donc, la petite carte promotionnelle. 4 holos qui sont, ma foi, vraiment très belles, surtout la Pikachu. Et on arrive quand même à toucher une radieuse. Au niveau du centrage, c'est moyen. C'est même pas que c'est moyen, c'est que on dirait qu'elle est... Elle est pas droite. Vous voyez, là, c'est plus épais que là. C'est très dommage pour ça, mais bon. Écoutez, un petit radieuse, ça fait plaisir, vraiment. On se retrouve en conclusion. Oh! Et voilà, la petite conclusion. Franchement, ouverture très, très, très sympathique pour cette première de Pokémon Go. Il me tarde vraiment d'ouvrir la suite parce qu'il donne envie. Cette extension donne vraiment, vraiment envie. Donc, bonne pioche. On a eu un radio, on a eu des 4 holos. Franchement, très sympa. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si elle vous a plu, si le contenu que je vous fais vous plaît. Et comme ça, vous activez la petite cloche pour être averti de la sortie des vidéos qui, comme d'habitude, sont le vendredi. On se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude à 19h30, pour une nouvelle vidéo. C'était Narcoz, et à bientôt.